Alors, est-ce que vous êtes là ou bien? Monsieur Amine. Alors, la première question. Donc, qu'est-ce que je vous ai donné là? Je vous ai donné les indications pour que vous puissiez écrire votre signal modulé en fréquence. Alors, qui c'est qui a trouvé la formule, qu'ils me disent? V de t ou la x de t ou la smea est égal à. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par écrire? On va commencer par écrire F de t l'amplitude. égale à F. Non, VS de t, on va comment, le premier terme, c'est ce qu'on appelle l'amplitude de la porteuse, puisqu'ici nous sommes en modulation de fréquence, donc l'amplitude ne bouge pas. Donc l'amplitude de la porteuse ne bouge pas. Donc on va appeler A2P. Or, ici, A2P, c'est quoi? On avait dit, c'est 1 volt. Vous voyez, un signal S de t de fréquence 1 MHz, d'amplitude 1 volt. Donc, est modulée. Donc, ça veut dire que la porteuse, elle a une fréquence de 1 MHz et une amplitude de 1 volt. Donc, on va écrire AP égale à 1. Vous voyez, ici, vous commencez à écrire que VI de T égale 1. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre? On va faire cosinus et c'est à l'intérieur du cosinus qu'on va trouver la variation de notre signal BF. Donc, alors, on va écrire donc cosinus. Cosinus de quoi? Donc 2pi fp de t, ça c'est là. 2pi fp de t, c'est quoi ça? Ça c'est la fréquence de la porteuse. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, on va écrire maintenant ici, on va écrire le signal. Et alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, est-ce qu'on va intégrer, dériver le signal utile? Souvenez-vous, hein, quand on a écrit, est-ce que c'est une intégrale ou c'est une dérivée? Ou carrément, c'est une proportionnalité? Alors, personne ne dit quoi que ce soit. Monsieur, on a dérivé le... Ça, c'est bien. Alors, donc, vous voyez, regardez, je vais vous expliquer un petit peu pour ne pas perdre du temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, vous voyez ici, si vous regardez, vous voyez votre résultat, là, je vous donne le résultat pour que vous puissiez quand même. Pour certains, ils me disaient, cher à peine au moins le résultat, comparer ce que nous trouvons. Mais apparemment, vous ne faites pas l'effort nécessaire. Ce n'est pas suffisant comme effort. Parce qu'il faut regarder votre cours avant de décrire ces choses-là. Donc, vous voyez, qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit, donc, j'ai un signal S de T de fréquence 1 méga et d'amplitude 1 volt. Donc, l'onde modulante est une onde sinusoïdale. Donc, ici, c'est une onde sinusoïdale. Elle a une amplitude ABF égale à 2,5 volts. Et la fréquence FBF égale 5. Donc, vous voyez que si vous regardez ici, donc, vous voyez que vous allez écrire V de T égale 1 cosinus 2pi FP, bien sûr, avec FP égale 1 méga, qui est ici, plus, donc, vous voyez, qu'est-ce que vous avez fait ici? Vous avez un cosinus que vous avez intégré pour obtenir donc ici cette forme que vous avez là, donc KFA sur 2πfm sinus, etc. Donc ça, il faut revenir à votre cours et bien apprendre à écrire la forme du signal modulé FM. Ça, c'est le signal modulé FM. Donc vous voyez comment ça s'écrit. En supposant évidemment que vous avez un cosinus et un cosinus, c'est deux cosinus, un qui est le signal donc à moduler, c'est-à-dire la porteuse, et l'autre c'est le signal modulant qui est l'onde que nous voulons transmettre. D'accord? Donc alors, vous voyez ici, je vous dis l'expression de modulation représente la déviation fréquentielle.
l'indice de modulation, donc ici, vous voyez que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez ici donc 5,5, c'est le delta F, donc delta F sur F, et vous avez ici votre indice de modulation. Allez, on va passer à la deuxième question. Essayez de trouver cette deuxième question. Alors, donc, vous voyez ici, sur votre polycope que je vous ai envoyé, cette valeur est mal sortie. Cette valeur que vous avez ici, je vous l'ai écrit à côté. J'ai demandé à votre camarade de vous l'écrire sur un bout de papier pour que vous puissiez la lire. Je ne sais pas si c'est fait ou non. Donc, si ce n'est pas fait, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire tout de suite ici. Donc, vous voyez que... Alors, donc, vous voyez que le signal modulé en fréquence suivante, donc, V de t est égal à V1 cosinus oméga t plus 0,5 sinus oméga 2 de t. Donc, vous voyez que pratiquement, c'est la même forme que vous avez ici. Donc, vous voyez que c'est la forme générale d'un signal. Alors, donc, dans ce cas particulier, quand on écrit comme ça, que représente 0,5? Allez, dites-moi. Le taux de modulation, monsieur. C'est l'indice de modulation, c'est le taux de modulation. Faites attention, c'est quand vous mettez votre signal sous cette forme, tout ce qui est devant le sinus, c'est ce qu'on appelle le taux de modulation. Dans le cas qui nous concerne ici, le taux de modulation, c'est KFA sur 2pi FM. Tout ça, c'est le taux de modulation. Alors, donc, on vous dit, prenons les valeurs V0, oméga 1 et oméga 2. Donc, on donne des valeurs et on vous dit, donnez la fréquence de la porteuse, la fréquence modulante, l'excursion en fréquence, l'indice de modulation et l'encombrement spectral. Yalla, quelques minutes, vous devez réfléchir quelques minutes et vous me donnez, celui qui trouve le résultat, il me le donne. Allô? Est-ce que j'entends rien du tout? Il n'y a personne, on dirait. Sibouta, vous êtes là? Monsieur, la fréquence de la porte. La fréquence de la porte, c'est oméga 1 sur 2π. Oui, ça c'est bon quand on écrit oméga 1 ou on écrit F1, on sait qu'il y a 2π, c'est pas ça le problème. Hein. Le problème n'est pas là. C'est exactement ça, oui. Alors, j'étais en train de parler à M. Boutali. Est-ce qu'il est là? Oui, monsieur, je suis là. C'est Bouta, est-ce que vous suivez là? Vous comprenez ce que je vous dis ou bien y a-t-il oui. des... Oui, je suis avec vous, monsieur. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser? Si vous n'avez pas compris quelque chose. Ici, regardez, on vous donne la forme du signal, on vous donne les valeurs V0, oméga 1 et oméga 2, et on vous demande de déterminer tous les éléments que vous avez là, c'est-à-dire la fréquence de la porteuse, la fréquence modulante, l'excursion en fréquence, l'indice de modulation et l'encombrement spectral. Est-ce que vous savez faire tout ça, M. Boutin? J'ai vraiment m'aider. Monsieur, la fréquence de la porteuse 20T, normalement.
Voilà, la fréquence de la porteuse, elle est directement lisible ici, puisque, comme disait notre ami tout à l'heure, oméga 1, c'est 10, alors 10 puissance 7 radians par Faut juste seconde. remplacer, c'est ça. Il faut juste remplacer. Donc, c'est 2 pi, il y a un 2 pi près, donc vous l'avez directement. Donc, le problème, c'est qu'on veut savoir si vous avez compris où est-ce qu'elle est la pulsation de la porteuse par rapport à la pulsation du signal modulant. Alors. Monsieur, oméga 1, c'est à la porteuse. Très Ou bien. 2, c'est à mon doigt. Très bien. Donc ça, vous avez donné donc déjà la fréquence de la porteuse et la fréquence module. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'excursion en fréquence? C'est quoi l'excursion en fréquence? C'est Delta F, monsieur. Delta F, c'est-à-dire dans C'est ce le cas-là. taux de modulation. Non, delta F, c'est quoi? C'est une différence de fréquence. Delta, F-max, ça veut oui, dire monsieur. différence. F-max moins F-min. Oui, mais ici, vous avez des fréquences. Maintenant, ça, c'est général. Mais ici, qu'est-ce que vous avez? On a deux fréquences, c'est-à-dire la porteuse et... Vous avez deux fréquences. Vous avez la fréquence de la porteuse. Donc, c'est toujours FP moins quelque chose ou la plus quelque chose. Généralement, on fait la valeur absolue. Oui, monsieur. Alors, donc, regardez bien. Donc, la fréquence de la porteuse, donc, on a donc 20 pi. L'indice de modulation est égal à 0,5. L'excursion en fréquence, vous avez ces 0,5 multiplié par 2 pi multiplié par 10 kHz. L'encombrement spectral, c'est deux fois delta F plus Fm. Allez, maintenant, on va passer Monsieur, à Madame. pour Oui, l'excursion en allez-y. fréquence, excursion en Oui. fréquence, pourquoi 2 pi Oui. fois 10 kHz? Nina, Nidibnal. L'excursion en fréquence. Oui. Okay. Donc, Comment obtenir cette ici, formule? voilà, d'accord. Enfin. Donc, si vous revenez en haut, donc vous avez ici. Votre taux, c'est 0,5. Oui, monsieur. Donc, si vous regardez votre ici, vous voyez, M égale 0,5. Or, M, c'est quoi? Indice de modulation. M, c'est delta F F. sur F. Donc, si vous voulez calculer delta F, l'excursion en fréquence, c'est Fois F. 0,5 fois F. Bien sûr, à 2 pi près, bien sûr. Comme ça, Ah, d'accord. F c'est 10 kHz. Donc c'est. Alors maintenant, allons-y au calcul suivant. Donc, c'est des choses normalement très simples, hein, mais tout le monde doit faire ça très rapidement. Alors ici, vous voyez, c'est à peu près la même chose, sauf que
Donc ici, on veut estimer la bande passante du signal FM en utilisant la règle de Carson. Cette règle-là, je vous l'ai pas donnée. Donc généralement, qu'est-ce que dit Carson, vous voyez? Lorsque la méthode de Carson, il dit que la bande est égale à 2 fois delta F plus FM. Ça, c'est une règle que méthode. Évidemment, pour le signal T1, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour l'autre signal. Donc, ça, c'est la définition qui a été faite. Ça fait. Nous ne sommes pas arrivés justement à définir ces règles-là. Voilà. Donc, ici, vous voyez, estimer la bande passante du signal FM en utilisant la règle de Carson. Ici, avant de commencer à regarder les questions, il faut peut-être lire un peu l'énoncé pour voir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas. Donc, vous voyez, on vous dit une porteuse de fréquence FC est modulée en fréquence par un signal sinusoïdal d'amplitude AM. Donc, et de fréquence FM. Donc, vous voyez que la fréquence de la porteuse, vous connaissez la fréquence pour la porteuse, mais vous ne connaissez pas son amplitude. Par contre, pardon. Par contre, le signal ici est modulé en fréquence par un signal sinusoïdal d'amplitude. Par contre, le signal modulant, vous connaissez son amplitude et vous connaissez sa fréquence. Et ici, on vous donne même le coefficient de sensibilité du modulateur qu'on appelle K, le coefficient de proportionnalité qu'on utilise. Donc, en ayant tout ça, donc on peut donc réfléchir à comment utiliser ces éléments pour répondre aux questions que nous avons ici. Donc, vous voyez que ici, on vous dit delta F, vous voyez, ici, delta F, c'est 500 kilos, FM, c'est 100 kilos, et bêta, c'est 5. Bêta, c'est le taux de modulation. Donc, déjà, il faut déjà calculer, avant de parler de la bande, il faut déjà calculer delta F, FM et bêta à partir de ces éléments que vous avez ici. Yallah, essayez de faire au moins cette question. Je vous conseille, avant de commencer à calculer les caractéristiques, c'est déjà d'écrire la forme générale du signal modulé en fréquence en utilisant les termes que vous avez devant vous. Et après, par identification, vous allez retirer le delta F, vous allez retirer la FM et le bêta, c'est-à-dire le taux de modulation. Le taux de modulation, vous savez bien que c'est 500 sur 100, donc vous avez votre 5, il est déjà calculé. Donc, il suffit de calculer le delta F. Et comment vous allez calculer le delta F? Ça veut dire que vous allez revenir à la formule que vous avez ici. Vous voyez, ça, c'est votre M, c'est-à-dire delta F sur F. Donc, ici,
votre delta F, ça sera Ka sur 2pi. Donc, il faudra trouver le K et les données, le A et les données. Et donc, vous pouvez normalement calculer votre signal. Donc, vous voyez, vous avez votre signal ici, vous avez votre A et vous avez votre K. Donc, vous voyez bien que si vous multipliez AM par K, K fois AM, vous avez 25 fois 20, ça vous fait combien? Allô, vous êtes là? Vous êtes là? Donc il suffit de calculer donc le delta F qui est égal donc à 20 fois 25 et vous avez toute la ligne. Maintenant, la méthode de Casson, donc je vous l'ai donnée puisque vous ne la connaissez pas, c'est celle-là. Donc maintenant, on vous demande quelle est, vous voyez, consulter les tables mathématiques pour les fonctions de Bessel d'ordre 0 à n. Deviennent ces résultats si on double l'amplitude du signal modulant et si on double sa fréquence. Que vaudra la bande passante pour une modulation de phase? Donc bon, je pense que nous allons nous arrêter là parce que bon, je vous laisse réfléchir sur cette question-là. Je pense qu'on aura encore quelques séances à la rentrée pour essayer de continuer un petit peu les exercices que nous avons. D'accord? S'il y a des questions, oui, je suis prêt à répondre. Sinon, on va arrêter notre tour là. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que nous avons raconté jusqu'à maintenant? Moi, c'est clair. Allez, allons encore comme même la Sartcom et à bientôt, Inch'Allah. Merci, monsieur. Bonne journée.